Bonjour, c'est Magique Pascal. Aujourd'hui, je vous propose de visionner un tour de magie avec des cartes. Ce tour de magie m'a été inspiré par un grand magicien sous le nom de Yannick Magique. Ce célèbre magicien et illusionniste parcourt la France pour vous étonner dans sa mallette avec des effets les plus fous. Fort de son expérience, il a su avec professionnalisme démontrer son savoir-faire en qualité d'artiste. D'ailleurs, c'est à Beaubourg qu'il a commencé en 1981. À cette époque, l'école de la rue l'a initié au public. En passant, Jacques Tondeau a été l'un de ses mentors. C'est pour dire que Yannick, à cette époque, avait déjà les bonnes clés de la réussite. En description, je vous mettrai le lien de son site pour découvrir en détail son parcours. J'ai rencontré Yannick il n'y a pas longtemps, et lors d'un échange amical, il m'a montré un effet magique que je souhaite partager avec vous. A tout de suite, maintenant, place à la magie. Pour réaliser cet effet, un jeu de 52 cartes. Le jeu est mélangé. Afin que tout soit clair entre vous et moi. Un spectateur est invité à nommer un chiffre, imaginons entre 10 et 20. Brigitte, peux-tu me nommer un chiffre? Le 12. Le 12. Tu veux pas changer? Non. Alors comptons 12 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Tu es d'accord? Oui. Très bien. Si nous additionnons le chiffre 12 qui fait le chiffre 1 et 2, ça fait combien? 3. 3, donc je compte 3 cartes. 1, 2, et la troisième carte, je vais te demander de la mémoriser. Oui. C'est bon? C'est bon. Très bien. Maintenant, ça va être très simple. Je vais essayer, par un calcul métaphysique dans ton esprit, de retrouver ta carte. Donne-moi le nom de ta carte. L'as de trèfle. L'as de trèfle. Donc, là, ça fait As. A, S. De, donc D, E. Et tu m'as dit trèfle. Trèfle. Donc, T, R, E, F, L, E. Il serait magique que cette carte que je viens de m'arrêter soit l'as de trèfle. J'avoue. Pourtant, ah, génial. C'est l'as de trèfle. Bravo. Alors, Pour finir, l'as de trèfle, c'est sympa, mais pour faire une routine, c'est un peu juste. Qui serait sympa, c'est que ses copines soient présentes. Tu trouves pas? Génial. Alors, ce que je te propose, Brigitte, ça va être très clair. Je vais te demander, tout simplement, d'observer. Ici, nous avons les as noirs, et ici, les as rouges. D'accord? Je vais te demander, bah, comme tu es à distance, de me dire stop où tu veux. Stop. Stop ici ou celle-là? Celle où il y a. Celle-là? Oui. D'accord. Tu vas simplement me dire si ta carte est rouge ou noire. Rouge. Rouge? Alors, si elle est rouge, je vais la mettre avec les as noirs. D'accord? Oui. Elle aurait été noire, je l'aurais mis avec les as rouges. Tu es d'accord? Oui. Alors, je ne triche pas, je te le remonte. Oui. Ok? Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, ça va être très simple. Je vais te remontrer un as noir, ta carte, d'accord? Oui. Et un deuxième as noir. D'ailleurs, je te remontre. Est-ce qu'on voit bien ta carte? Oui, en effet. Très bien. Alors, les deux as avec ta carte, je vais les laisser bien en vue sur le tapis. Maintenant, grâce aux deux as rouges, qui sont autres que l'as de cœur et l'as de carreau, je vais simplement, quant à eux, les laisser dans le jeu. Juste en coupant, comme ça. Bien en vue. Tout est net. Tout est net. D'accord. Ce qui serait formidable, maintenant, c'est que ta carte, parmi les as, d'accord, on est bien d'accord, puisse agir. Dans le sens que si je claque dans les doigts, un as noir et deux as noirs, ta carte n'est plus entre les as. J'avoue, c'est fort. Ta carte a disparu, mais pas n'importe où. Ah ouais? Non. Si j'étale de nouveau, on se retrouve avec les deux as rouges, avec en leur milieu une carte, et pas n'importe laquelle. Ta carte. Waouh! Génial. Je te remercie. Je vous remercie. À bientôt.